Bonjour. Saviez-vous qu'il y a une petite chance que quand vous mettez du miel sur un arbre, après 6 heures, la période voulue, il n'y ait pas de Pokémon? Genre, c'est possible? Et ben voilà, il n'y en avait pas. Donc en fait, j'ai été mettre du miel pour rien hier, et comme je me suis dit, ah, je vais faire en sorte de le faire à la fin du stream, comme ça le stream de demain il peut commencer et j'aurai accès au truc. Et ben non, non, voilà, c'est cool, génial. Donc faudra attendre pour la prochaine rencontre, mais ouais, au moins à 21h21 ce soir, je pourrai faire ma rencontre et je la ferai pas en stream. Comme ça, si jamais ça me refait le coup, et ben. Je peux remettre du miel. Bonjour Isa! Je ne sais pas ce que tu as dit, mais voilà. Je vais supposer que ça a un sens. Ah, c'est un A. Oh, bah oui, on est toujours sur le A. Ok. A! Oh. Bah heureusement que malgré tous mes soucis, Vatican est là pour me donner du miel s'il faut. Bon, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en réalité, je pouvais presque déjà faire la reine de Jolyberge. Le rival, il a. Donc, il a. Il n'est pas si haut niveau que ça en fait. Et il a un Scarino, il a un Roselia, mais j'ai Monsieur Mime qui est là dans l'équipe. Et il a un Chimpanfeu aussi, mais ça, je veux dire, j'ai. Après tout, j'ai un Barbicha, donc ça devrait aller. Il a un étourvol, mais c'est un bête étourvol, donc ça devrait aller. Et je pense qu'il a encore un. Il a joué genre. Je pense qu'il a un Mustéboué, même pas un Mustéflotte, un Mustéboué. Donc je pense que sa team est faisable. Et après, l'arène de. Je suis pas obligé d'aller à l'île de fer du tout. C'est genre l'île de fer, y a absolument rien. Et puis l'arène, je pense que ça devrait aller. Je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait poser problème à Irlande en fait. Genre il spam Ampleur et Surf, c'est à peu près tout ce dont il a besoin quoi. Donc je pourrais le faire et remplir ma team de Pokémon nuls. Et après, la route jusqu'au 7ème badge sera un peu plus longue. Mais par exemple, si je remplis ma team de. Genre, je ne laisserai sûrement pas Sipar et Macedonia dans ma team. Ni Kreina, en fait. Je mettrai vraiment peut-être des Pokémon dont j'ai moins envie. Parce que eux, je vais les garder pour après, quoi. Donc voilà, Vatican y reste par exemple. Voilà, je suis en train de réfléchir, mais j'aurai trois rencontres. Donc l'île de fer, je la garde pour plus tard, j'ai pas envie d'y aller maintenant. Je la garde pour après. Ok, Stylix combien? Niveau 33. Ça va être un bon entraînement, voir combien de dégâts fait Irlande sur un Stylix niveau 33. Donc je sais plus ce que je disais, mais. Ok, 2 HKO assez facile.
Oui, donc quelle rencontre je vais avoir? Ben, je pense que j'aurai trois rencontres. J'aurai route 216, route 217, Rivelac Courage. Donc ça, je pense que ça me garantit presque Blizzy ou Farfuret, voire les deux. J'ai un Medityka, donc je sais plus s'il y a des Charmina sauvages. Je sais que Gladys a un Charmina dans Diamant et Perle, mais je ne sais plus si. Je sais plus s'il y a des Charmina sauvages près de Frimapic, mais voilà. Donc ça me fera 3 rencontres après pour Gladys, qui je pense est un. Je vais pas pouvoir y aller aussi YOLO avec Gladys. Genre, Charles, c'est pas le champion le plus difficile du jeu, donc voilà. Je peux me permettre, mais Gladys, non. Je ne pense pas. Et après Gladys, bon, ben ça va, les événements du jeu seront assez longs. Genre, il y aura beaucoup de combats importants, donc là, je pourrais me constituer une team complète de 6, faire tous les événements de la Team Galaxy. Et puis, il y aura la dernière arène et celle qui pourra éventuellement. Celle qui pourra. Enfin, qui. Non, qui. Voilà. Faire les dernières éliminations à l'Astro Ball. Et une fois que. L'Astro Ball, la Snowball. Et une fois que c'est fait. C'est la libération. Et il va falloir commencer à préparer la. Enfin, préparer une équipe qui, elle, devra aller jusqu'à la fin en espérant, hein, avec la route victoire et tout ça. En vrai, séisme serait bien, mais je vais pas trop me plaindre. Je sais que dans l'arène de. De Jolie Berge, il y a genre un top dresseur avec un Azumarill, je sais pas d'où il sort. Je sais qu'il y a top dresseur Hulk et que dans Platine il a un Cizayox, mais ça sera pas le cas dans ici, puisque Cizayox c'est pas dans le. Dans le Dex. Ouais, une pierre feu, je viens d'en trouver une. Et oui, comme nous sommes dans Diamant et Perle, eh bien il ne donne pas de tesson en échange de morceaux d'étoiles, il donne juste une pierre feu et puis cet endroit ne sert plus à rien. Donc, allons dire bonjour au blond, à Jolie Berge. Parce que après ça, ça va être. Après cette arène, ça va être le retour de. Pas du roi, mais presque. Le retour de l'équipe de 6, de l'entraînement. Et tout ça. Et on va voir si Dinamarca va éviter la 6ème snowball ou pas. S'il arrive à la fin, s'il reste dans l'équipe jusqu'à la. Et qu'il évite la 8ème snowball, il est dans la team pour la. Pour la ligue. Sans hésiter, il l'aura. Et il le faut. C'est obligatoire. L'avantage de YOLO maintenant, c'est que j'ai encore plein de dresseurs disponibles sur la. Non seulement à l'île de fer, mais aussi sur la. La route. Je ne sais plus comment. Genre. La route 221, les dresseurs de la route du chenal 220, tout ça. Donc ouais, voilà, ça fera plein d'expérience et je pourrais
Je pourrais l'utiliser correctement pour... pour genre... Alors après, à faire, à me préparer pour Gladys ou ça. Parce que oui, en plus, il n'y a pas directement Gladys, il y a le, tout le truc à, au lac d'abord, avec la Team Galaxy. Lac courage, puis lac vérité. Donc, ouais. Et surtout, bah, à force d'y aller YOLO, etc., ça, je finis un peu par tomber, enfin, traîner niveau de la, de, des niveaux. Je pense que le Bastiodon de Charles est genre niveau 39. c'est pas grave, c'est un, il est nul à chier son Bastiodon, mais j'ai vérifié, il a pas pu le m'y faire. Et donc, ouais, va falloir s'entraîner même avant de faire quoi que ce soit, quoi, quel événement que ce soit de du lac courage, tout ça. Il va falloir s'entraîner, faire des dresseurs. Et après ce combat, je vais changer mon équipe pour l'arène, pour n'avoir que des Pokémon que je dont la perte ne me ferait pas trop de tristesse. Je ne sais plus parler français. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est pas grave. L'important c'est de voir combien de dégâts Dynamark a fait. Ah. Il aurait 2 HKO avec coup de boule après un... sans intimidation. Alors, Roselia, non, Scarino. Ah, ça c'est le... C'est la, le moment de vérité. Est-ce que Sipar sait gérer Scarino? Yes, Scarino. Niveau 30, hein. Il n'y a qu'un niveau en plus. Donc hop, je te fais... Ah, il est plus rapide. Ah, il a tranche nuit. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait tranche nuit. Ah. Ah oui, forcément qu'il fait un coup critique. Enfin, sinon, pourquoi il ferait un coup critique? Ouais. C'est quoi? Fais tranche nuit sur ça. Vas-y. Fais tranche nuit sur Macédonia, on va bien rire. Je vais pas lui faire toxique parce qu'il a cranche Paris, ce con. Bon, d'accord, d'accord. Je vais mettre mon Pokémon au sol qui résiste à tout, qui a plein de PV et qui a une défense étonnamment basse. Je m'attendais à ce que c'est plus de défense que ça, le Scarino. Mais bon, c'est pas grave. Ah ah! Tu as raté ton attaque, Scarino, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es nul et que tu vas tomber sous les coups de Irlande. Il m'a fait combien là? 32. Ok. 3 HKO de chaque côté. Ouh, un switch et il envoie Roselia, ce con. Eh hey, j'avais prévu. J'avais deviné. Mais ma botte secrète, c'est que Happy Trini double résiste à Roselia. Bon, 28 PV pour Macédonia. Est-ce que c'est suffisant pour qu'elle résiste à une attaque de Roselia? Oui. Enfin, j'ai décidé que c'était suffisant. Sifflerbe. Ah bah oui, ah bah c'est très bien. Bien, bien. Alors là, je sais ce qu'il va faire. Il va faire Vampigraine, mais c'est pas grave. Faut que je reste avec Macédonia. Parce qu'il faut que je lui fasse brouillard. Ou alors il va peut-être retenter Sifflerbe. Pic toxique. Ok, ça c'est chiant. Alors, mais je vais. Alors, Giga Sensu fait 21. Ok. Bon, je peux pas lui faire toxique, mais ça ira. Je peux lui faire tranche. Voyons combien ça fait. Évidemment, là il a fait. Bon, 53 à 8, il a fait combien? Il va me faire point poison. Oh, ouh, joli coup critique. Si je savais compter, je pense que je dirais 45. Mais
Ouais, 21, le coup critique 45, donc, non, 20, ouais, 22 qu'il avait fait. Je sais plus, je sais déjà plus. Oui, alors, un autre pic toxique, ça c'est chiant. Mais, c'est quoi c'est... Ah, ah, voilà, je me disais aussi bien qu'il y avait une vampigraine qui se perdait là. Yeah, rate ton attaque. Le deuxième coup critique. Je sais qu'il tranche à un plus haut taux de critique, mais quand même. Mustabwe. Qui va gérer Mustabwe? C'est Dinamarca. Le problème, c'est que Dinamarca va se faire empoisonner et je n'aime pas ça. Donc je pense que je vais faire quelque chose qui est potentiellement dangereux, mais qui me semble être une meilleure idée. C'est ça. Je suis sur ma Macedonia juste pour enlever les pics toxiques. Et hop là, voilà. Et il peut pas les remettre, et voilà. Bon, après il fait météore. Ça fait quand même des dégâts, c'est pas grave. Je reviens sur Dinamarca qui normalement sera plus s'en sortir. Je vais espérer que Dinamarca résiste à deux attaques de Mustabwe plus un poison. Comme ça, je le soigne du poison. Hop, antidote. Voilà. Et maintenant, coup de boule. Ah, poursuite. Mais je m'en allais pas. T'aurais dû faire ça avant, du coup, Mustabwe. Enfin, tu n'aurais pas dû. D'ailleurs, pourquoi t'es pas un Mustaflotte, j'en sais rien, mais tant mieux. Il est quand même vachement... C'est quand même vachement bizarre son équipe. J'ai pas envie de dire qu'il est vachement nul ce rival parce qu'il est pas nul quoi. C'est genre contrairement à Flora ou Brice, ça aussi n'est pas le dernier combat qu'on va faire contre lui, mais. C'est genre, je sais pas s'ils ont foutu dans Diamant et Perle, ils se sont dit ouais, non, on va faire évoluer ces Pokémon, mais genre à des moments un peu random. Ouais, il est tourmi niveau 26, ouais, ça me semble bien en fait. Ah oui, Scarino n'est toujours pas mort. C'est pas grave, Irlande saura s'en sortir. Irlande, il est fort. Deux surfés, hop. Tranche nuit, 83 à... 13, 70. Bon, il faut s'attendre à ce qu'il fasse un coup critique, c'est plus fréquent que le reste. C'est pour ça que j'ai des hyper potions en plus des LMME. Parce que 2 PV, ça peut avoir le. Ils se sont dit que les enfants n'avaient pas le temps pour les combats trop compliqués car trop occupés sont à jouer sur téléphone annoncé Game Freak de 2025. Ouais, pourquoi t'as pas commencé par Casse-Brix, Carino? Genre, c'est un stab. C'est plus puissant que tranche. Enfin, c'est pas grave. Crêpes Carino, reste là. Et c'est très bien comme ça. Oui, Irlande, bien sûr, tu vas prendre repos, bien sûr. Après, le truc des téléphones, c'est je comprends l'idée, hein. Les gens n'ont plus le temps à passer dans les trucs, mais c'est... Tu fais des RPG, c'est le but du truc. Une personne qui fait un RPG... Enfin, je veux dire, je suppose que oui, une personne qui sait ce qu'est un RPG, mais une personne qui joue à Pokémon... Et... Si on prend les jeunes en particulier, je peux voir d'où vient leur réflexion, en vrai. Hein. Mais... Enfin, le truc, c'est que... Je me dis si la personne, que ce soit un jeune ou pas, que si la personne est passe trop de temps, enfin passe plus assez de temps sur console à cause du téléphone, ben tant pis. Enfin, je veux dire, c'est pas en
quoi qu'il arrive, allez, merde, je ne sais plus ce que je veux dire. Je veux dire, Oui, bien sûr, fait aéropic. L'IA de ce jeu est magique. Enfin, quoi qu'il arrive, les gens vont pas se diriger vers la Nintendo Switch, genre. Je sais pas, je me dis, est-ce que la personne va faire... Ah oui, En fait, le jeu me prend trop longtemps, donc je retourne sur mon téléphone. Je sais pas, je vois ce qu'ils veulent dire. J'ai juste l'impression que... C'est presque contre-productif de s'en soucier et de tout faire, de tout tourner autour de ça en fait. Parce que... Enfin... C'est juste la façon dont la société évolue et consomme les médias est peut-être différente, mais... C'est l'équilibre en fait, l'équilibre que tu dois faire en essayant de rester dans les... J'arrive même pas à dire quoi que ce soit, c'est de la merde. Ok, donc ce que je veux dire, c'est que il faut trouver une sorte de juste milieu. D'un côté, tu as l'idée de faire un jeu traditionnel comme tu l'entends, avec un RPG qui est généralement long et qui a des dialogues, etc. Et puis de l'autre côté, t'as l'idée que la plupart des gens, et ici des jeunes, et c'est normal qu'on parle des jeunes dans Pokémon parce que c'est comme ça qu'ils attirent les gens, c'est genre les gens qui ont plus de 17 ans, ils vont pas commencer par eux-mêmes à jouer à Pokémon sans aucun élément extérieur. Ils passent de plus en donc ils ont plus de temps à consacrer aux jeux vidéo en grand format, et sont plus attirés par la vitesse et le truc plus petit, les séquences de jeu plus petits que du téléphone. Et c'est genre ces deux extrêmes en fait, et il faut choisir à quel point à quel extrême on se met, parce que comme tout dans la vie, les choses ne sont pas binaires ou noires ou blanches. Il y a toute une il y a plein de points au milieu, et il faut réussir à avoir les bonnes proportions, on va dire. Et parce que si on va à fond sur le coup de les gens n'ont plus assez de temps, on finit par faire des jeux vidéo sur console qui sont pratiquement les mêmes jeux sur mobile, avec les mêmes sortes d'idéologies et d'idées de mécaniques et de monétisation. Et peu importe ce qu'on demande à ce qu'on aime ou pas les jeux mobiles et leur façon d'être, c'est pas la question du tout ici. Mais c'est à ce moment-là, si c'est pour faire des jeux comme ça sur console, pourquoi ne pas les faire sur téléphone, puisque ce sont des jeux qui sont adaptés, on fait des jeux comme téléphone, et le téléphone sera juste la meilleure plateforme pour jouer à ce genre de jeu, quoi qu'il arrive. C'est juste plus pratique, c'est un objet qu'on a tout le temps avec soi. Je pense que ça ressemble un peu, et c'est pas forcément exactement la même chose, mais je pense que ça ressemble à un truc similaire souvent quand l'argument qu'on voyait souvent quand la PS4 et la Xbox One est sortie, je pense que ça a commencé avec ces consoles là où on disait genre il y a de moins en moins de différence avec le PC, du coup c'est quoi l'intérêt? Parce que ce sera mieux sur PC quoi qu'il arrive. Le jeu sera... Enfin, si le jeu est fait pour PC d'abord, le jeu sera mieux sur PC avec toute la customisation que ça apporte. Donc... Alors, je lis ce que tu dis, hein, Isa. Trouver le moyen de faire le jeu assez invasable avec point de sauvegarde à volonté, ce qui rend le jeu portable, en fait,
tout en laissant l'opportunité des joueurs plus exploiteurs d'exploiter. Oui, oui, c'est ça. Enfin, maintenant, genre, nous, on est baigné dedans, on a grandi avec ça. Donc, peut-être qu'on a du mal à prendre du recul sur le comment les... comment ceux qui sont plus jeunes que nous et qui sont la cible que Game Freak essaye d'atteindre, comment eux pourraient réagir à ça. Et mais oui, je trouve que, enfin, je n'ai jamais vraiment ressenti l'idée que Pokémon était un truc qui allait te prendre forcément beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, moi, je fais des Nuzlocke, donc forcément, ça me prend 20 ans, mais même étant quelqu'un qui n'aime pas spécialement les jeux longs, si tu fais Pokémon, genre, et que tu fais juste l'aventure principale, il n'y a pas trop de problèmes, je pense. Maintenant, voilà, peut-être qu'on est arrivé à un point extrême où c'est vraiment... Il faut des choses vraiment... on revient presque à l'idée de l'arcade et des jeux à score, quoi. Et by the way, c'est ma rencontre de Jolie Berge. Et... mais oui, mais voilà. Maintenant, voilà, je sais pas ta sœur à quel point elle est dans le... disons, dans la cible de Game Freak. Mais oui, oui, pourquoi pas. Maintenant, je dis ça, genre, basé sur des choses que j'ai vécues, etc. Mon frère, quand il a joué à Diamant pour la première fois, il était bloqué au Mont Couronné. Ok. Il a fallu que c'est une amie à lui qui l'a débloqué. Il était bloqué au Mont Couronné. C'est pas compliqué le Mont Couronné. Il y a genre deux endroits où tu peux te où c'est un cul-de-sac et il suffit de continuer le truc. Mais peut-être que c'est ce genre de truc là qui pose problème. Ce genre de moment où le joueur peut perdre et peut-être. Et je, genre, tout ça, c'est pas du tout des certitudes et des choses ainsi parce que je ne m'y connais pas du tout. Peut-être que pour les jeunes de maintenant qui ont habitué au téléphone et ce genre de choses, ils sont perdus 3 secondes dans le Mont Couronné, ils en ont marre, ils vont plus chercher. Hein. Ça, ça, voilà, pas très représentatif. Cela dit, achète une cartouche DS et fais-la jouer à platine. C'est une bonne idée quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme pays pour ce Goélise? Ah. Alors, la Grèce, eh bien, la Grèce, c'est en hongrois. Alors, malheureusement, ça a 11 caractères, mais donc je vais devoir réduire, mais c'est pas trop trop grave. Alors, si j'ai bien écrit, il est possible que ce soit pas exactement ça, parce que j'ai du mal à me relire. Voilà, c'est ça, c'est Gorogorsak. Alors, normalement, entre le R et le Z, il y a un S. Mais ça fait trop de caractères, je me dis que, quitte à enlever une lettre, autant que ce soit celle-là. Bon, voilà, au moins ce Goélise garantit que quand j'aurai une rencontre à l'arbre à miel de la Forge Fuego, ce sera ma rencontre et que si jamais je surfe, parce que ma frayeur, entre guillemets, frayeur est un grand mot, mais ce que je craignais un peu en allant à la Forge Fuego hier, c'est que sur le chemin, en surf, comme mes Pokémon n'ont pas très haut niveau, le repousse ne sert à rien. Et que, ça, en gros, ça... Ça me fasse rencontrer un Goélise ou un Bekipan, et que, du coup, ça prenne ma rencontre de la Forge Fuego, alors que je voulais que ce soit spécifiquement l'arbre à miel. Donc. Voilà. Donc, c'est Gorogorzak. Et qui s'appelle Orio Kezak. Voilà. Alors, je lui ai mis à lui le multi-ex. Pourquoi? Parce que dans deux niveaux, il évolue en Bekipan et je peux enfin avoir vol. Voilà. Donc, j'ai pas envie d'y aller encore à fond sur l'équipe parce que, comme j'ai dit, genre, je suis tout près de l'arène de... Oh.
ça se dit comme ça se prononce avec les deux premiers mots qui sont des O et qui se disent E comme en allemand. Ah, donc ça devrait être. Ça devrait être Göre-Gorzag. Parce que t'as dit les deux premiers O, donc ce serait Göre-Gorzag. Ok. Moi et la prononciation des mots dans différentes langues, c'est. À part le néerlandais, ça c'est facile. Geheugen, ça veut dire mémoire. Waouh. Norwegen. Et le R roulé. Le magyar pointe. Bref. Donc voilà. Je vais entraîner Ukraina, je vais entraîner Gorzag, genre. Et Dinamarca. Au moins tous, genre. Allez, on va dire niveau 34, ça me semble bien. Et je pense que Macédonia évolue au niveau 34, donc je vais l'entraîner en même temps. Je vais les garder dans mon équipe, et ce sera les 4 Pokémon de mon équipe, plus Vaticani et un autre Pokémon que je choisirai en tant que Punching Ball pour la Snowball. Et après ça, je pourrais vraiment m'y mettre en termes de... De je sais plus quoi, mais je pourrais vraiment m'y mettre. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que j'ai le 6ème badge, je pourrais vraiment reconstituer une équipe de 6. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais plus que. J'aurais une grande partie du jeu avec une seule arène, donc. J'aurais normalement au moins 3 Pokémon qui résistent à la 7ème. Maintenant que j'ai surf, je vais aller chercher des objets parce que voilà, pourquoi pas. Ah, vive Google Trad. Mais Google Traduction pour les surnoms de Pokémon, c'est magique, c'est génial. Yeah, c'est un PV+. Bon, je prends, hein, ça peut toujours servir, mais. Mais voilà, pour rester sur le truc des. Voilà, du temps, etc. Je comprends l'idée. Moi personnellement, mais évidemment, c'est juste comme c'est évidemment basé uniquement sur mon opinion personnelle et ce que je perçois et la façon dont j'ai fait l'expérience du jeu vidéo en grandissant. Moi, les jeux mobiles. Je m'en fous complètement. S'il n'existait pas, je me porterais bien mieux. Rien à foutre des gens qui vont faire que passer du temps sur leur téléphone. S'ils achètent une Switch, c'est pour jouer à des jeux vidéo et c'est pas pour y passer 5 minutes. Si on peut changer quelques mécaniques pour aller dans ce sens-là, pourquoi pas. Baser toute son idée là-dessus, non. Voilà. Voilà, c'est un peu le truc de la zone de combat, hein, le retour. Je comprends, hein, leur idée, je comprends leur justification. Game Freak, qui disent ouais, c'est un truc qui demande pas mal d'efforts et il y a presque personne qui va l'utiliser, donc pourquoi on le fait, mais. Il n'y a pas personne qui va l'utiliser, il n'y a presque personne. Et c'est quelque chose qui peut être un argument de vente à lui seul pour une partie de la fanbase qui se sent peut-être un peu délaissée. Je veux dire, ils foutent une zone de combat. Ils auraient foutu la zone de combat, même si c'était la même que dans Platine, dans BDSP, genre. J'aurais réfléchi un peu plus. Genre, je l'aurais pas acheté, mais j'aurais réfléchi un peu plus, tu vois. C'est. En vrai, s'ils avaient remis la zone de combat dans BDSP et qu'il y avait tous les Pokémon. Qu'il y avait des Pokémon plus après la 4G. Là, j'aurais pas pu résister à cette scène de combat-là, je pense. Mais non. Enfin, bref.
Mais voilà, donc moi évidemment de mon point de vue, oui, ça vaut le coup de faire une zone de combat. Maintenant, il y a aussi le fait que après 4 jeux d'affilée où les gens se disent tiens, il n'y a pas de zone de combat, peut-être que chez Game Freak, ça doit commencer à faire tilt, dire tiens, peut-être que il y a quand même un petit peu de gens qui seraient plus de gens qu'on pensait qui seraient contents de revoir la zone de combat. Maintenant, je vais totalement avouer que autant j'aime bien la zone de combat et que j'aimerais beaucoup voir des choses dans le style dans l'avenir de la série, autant j'ai jamais fait la zone de combat de Emerald de ma vie, hein. J'ai jamais eu un seul symbole de ma vie dans la zone de combat de Emerald, hein. Et platine, j'ai jamais fait l'or dans tout, hein. J'ai déjà fait l'argent dans tout et dans Renegade Platinum, donc voilà. Pas Renegade, Prestigious. Donc j'ai jamais fait l'or de ma vie dans aucun des trucs de la zone de combat, donc je peux parler, mais la zone de combat, genre, je suis content qu'elle est là, mais je l'utilise pas, donc je vois où Game Freak veut en venir, quoi. Nous rêvons de choses qui n'arrivent jamais. Eh bien oui, voilà. C'est triste. C'est pour ça qu'il faut essayer de ménager ses attentes. Parce que, bon, aussi, peu importe si tu trouves leur décision débile ou pas, Game Freak, ils ont dit on fait ça, bon, c'est bon, on a compris, ils faisaient ça, on va pas remettre ça sur la table à chaque fois, ça risque pas de changer grand-chose, je pense, hein. Mais bon, voilà, il suffit de. C'est. Le truc, c'est que. Enfin. Quand tu y penses dans l'immensité du domaine du jeu vidéo, c'est genre. Ça en devient presque ridicule de s'attacher à, genre, une série en particulier et son évolution quand il y a plein d'autres choses. Genre. Je sais qu'évidemment, genre, je parle évidemment, genre, de manière abstraite, hein. Évidemment, parce que forcément, quand on aime plus une série qu'une autre, on est investi dans son futur, quoi. Mais c'est genre, t'aimes pas Pokémon, va jouer à Super Mario Bros. C'est pas vraiment l'argument le plus convaincant de l'univers, mais voilà. Oui, disons Fire Emblem. Toi, Isa, t'as une série, et voilà. Bon, maintenant, ça veut pas dire que tu détestes Pokémon, mais. Oui, et puis voilà, il y a le manga, donc ça aussi, c'est. Enfin, je veux dire, Pokémon, c'est pas seulement une série de jeux vidéo, il y a déjà tous les spin-offs après, et il y a un univers qui nous demande à être exploré, voilà. Ça, que ça intéresse ou pas. Voilà. C'est parce qu'en fait, je me dis que. C'est genre. Des fois, tu vois, je me dis aussi, je me suis dit les trucs, mais il y a tellement d'autres choses, plein de choses à découvrir et à faire, et plein d'autres choses qui existent. Genre, pourquoi s'acharner sur une série et sur des alors qu'on sait que comment ça va se passer. Et je disais ça pour moi, hein, principalement. Et c'est pas tant l'idée que, ouais, ben. Oh non, enfin, c'était pas l'idée de ah, ça me fait chier, je vais essayer autre chose, mais c'était plus pour mon bien-être moi-même, quoi. C'était mon idée, c'est pour personnellement, si je c'est pour mon bien-être personnel, pourquoi j'essaye pas d'autre chose, quoi, au lieu de m'ennuyer à m'acharner sur un truc ainsi. Mais je pense que, genre, évidemment, le truc, c'est qu'il y avait ma chaîne. Ah, Poissière niveau 28, 666, séparé en deux grâce au multi-ex. Pour l'instant, je reste cantonné à quelques séries, mais les plateformeurs 2D Mario sont dans mon champ des possibles. NSMB2, oui, après, si. Genre, très honnêtement, si. Après avoir fait New Super Mario Bros., le mieux, c'est juste de passer sur New Super Mario Bros. U. Deluxe, dans ton cas, vu que t'as pas de Wii U et que t'as une Switch. Parce que. Enfin, c'est le.
Que tu fasses New Super Mario Bros. U ou New Super Mario Bros. U, ça change rien dans le sens où ils ont à peu près les mêmes mécaniques, ils ont basiquement toutes les mêmes musiques. C'est le même principe, le level design à peu près la même difficulté, c'est basiquement la même chose. La différence c'est que New Super Mario Bros. U Deluxe, il a plus, beaucoup plus de contenu parce qu'il a New Super Luigi U avec, et il a des défis un joueur contrairement à New Super Mario Bros. U. Maintenant, New Super Mario Bros. U Deluxe, faut l'acheter. Mais oui, New Super Mario Bros. 2 c'est sympa, mais... Si tu décides de... S'il faut en faire qu'un entre New Super Mario Bros. 8 et New Super Mario Bros. 2, fais New Super Mario Bros. 8. Oui, voilà. Maintenant, c'est vrai que, à la limite, si c'est gratuit, oui. Bah, après, New Super Mario Bros. 2 n'est pas un mauvais jeu. Hein. Si t'as joué à New Super Mario Bros., tu reconnaîtras des choses. Et de toute façon, ma vidéo sur New Super Mario Bros. 2 est déjà prête depuis longtemps. Elle sort mardi. Mais pour mon backlog anniversaire. Mais voilà, tu passeras sûrement pas un mauvais moment sur New Super Mario Bros. 2. C'est juste qu'il y a vraiment rien de... Quand tu passes de New Super Mario Bros. À New Super Mario Bros. 2, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Encore moins qu'en passant de New Super Mario Bros. À New Super Mario Bros. U ou de New Super Mario Bros. À New Super Mario Bros. Wii. Et les noms de ces jeux commencent vraiment à me taper sur les nerfs parce que c'est trop long à dire. C'est... Ah oui, c'est vrai que t'avais parlé de FF7 aussi. Non, mais FF7, c'est un jeu trop long. Tu veux pas passer du temps sur ton téléphone à la place? Oui, voilà. Maintenant, oui. Les platformers Mario 2D... Tiens, d'ailleurs, Donc, t'as le Homebrew 3DS. Est-ce que t'as moyen d'accéder au jeu de la console virtuelle gratuitement? Ou alors c'est encore autre chose? Parce que si t'as la console virtuelle, un petit Super Mario World. Voilà, juste ça, je dis rien. Non mais en vrai, c'est quand même... En concernant Pokémon, genre, ça aurait été tellement bien que... En vrai que... Qu'il y ait moyen d'avoir la 3G sur 3DS. Parce qu'il y aurait eu toutes les générations, les 7 premières, mais donc à l'époque, toutes les générations jouables dessus, ça aurait été magique. Parce que techniquement, elles sont toutes jouables à part à la 3G. Quoi. Mais oui, c'est ça parce que je sais pas. Je sais que par exemple, quand tu as qu'une Wii et il y a du Homebrew, il y a les ROM de. Genre, il y a les fichiers de la console virtuelle et il y a les fichiers de WiiWare, ça existe. Mais. Je sais pas du tout comment ça marche sur 3DS, donc j'avais essayé d'hacker ma Wii un jour, donc ma Wii U elle est clean, mais ma Wii elle est hackée, mais y a rien dessus parce que j'avais genre la plus grosse carte SD que j'avais, et c'était une carte SD de 128 mégas, qui est une carte SD que j'avais achetée pour ma Wii quand j'ai reçu ma Wii en 2008 quoi. Donc en 2008, 128 mégas c'était beaucoup je suppose. Ça me fait rire de voir que les cartes mémoire de la PS2 c'était des cartes mémoire 8 mégas. Bien sûr. Et les prochains jeux Pokémon, ils vont peser 12 gigas ou je sais pas quoi. J'avais vu un article sur jeuxvideo.com qui disait le poids, genre Pokémon Legend Arceus, le poids étonne, un truc ainsi. Je regardais, on s'en fout un peu. Et en fait, dans le fait, oh non, c'était épée bouclier, avait à peu près le même poids. Genre, alors pourquoi tu fais chier? Mais bon, c'est parce que c'est un article sur jeuxvideo.com et qu'il faut que ce soit sensationnel. C'est comme toutes les articles maintenant qui font exprès de ne plus mentionner les noms de personnes, mais genre, ils mentionnent genre la star de une telle série ou un tel jeu ou quoi que ce soit, pour que tu dises, mais c'est qui? Et tu cliques, ça, ah, c'est énervant! C'est genre, non, dis-moi quoi directement! FE4 traduit pèse 8 mégas et Centrad c'est 6 mégas et c'est déjà énorme pour la SNES. Oui! Oui, oui. Oh! J'ai plus de quoi attaquer. Bon. Pour ton premier combat, Gorzag, tu as droit d'affronter un Babymanta. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. D'ailleurs, Eiza, chose très importante, très sérieuse, c'est quand que tu fais un compte back le gré pour ta sœur. Voilà. Voilà, je l'ai dit. Je rigole. Ne lui impose pas ça, la pauvre. Bon alors, je suis désolé de te dire, mon cher Coélise, mais tu es un peu en train de te faire déchirer la gueule.
Non, parce que bon, elle est encore petite, elle a pas encore joué à grand chose, donc se faire la liste exacte, c'est facile. Elle a droit qu'à quelques temps sur New Super Mario Bros. Par semaine. Et elle a commencé les niveaux ou elle reste sur les mini-jeux? Genre. Elle a fini le 1-3, mais pas encore 1-1 ou 1-2. Ça viendra. Tiens, c'est marrant parce que le 1-3, il y a déjà plus de vide, etc. Genre. Mais 1-2, t'avais dit, c'est le machin à la fin. En plus, 1-1, il y a le méga champi. Genre, foncé. Mais c'est bien. New Super Mario Bros, c'est bien. C'est un bon départ. Bon, Macedonia, est-ce que tu peux gérer un Remoraid? C'est parce que Dinamarca, il vient un peu de se faire tout l'univers en une fois. Là, je vais peut-être le ménager un petit peu. Je sais qu'il peut avoir plein d'attaques différentes Remoraid, mais je sais aussi que la seule faiblesse de Macedonia, c'est Sol, et que je pense pas qu'il ait une attaque Sol. Donc, allez. Bien. Tentacool, je peux rester contre Tentacool. Ça a pas une bonne défense. Tranche devrait être faire des dégâts. Bouclier. Ah oui, Tranche va faire moins de dégâts, à moins que tu fasses un coup critique, Macedonia. Coup critique. Yes! Niveau 25. C'est bien niveau 25 que ça évolue, Géolise, hein? J'ai un doute. Yeah! Béquipan! Le meilleur Pokémon. Ouais, abri, l'attaque préférée de Béquipan dans la 3G. La raison précise pour laquelle je le déteste. Mais je vais quand même le mettre, on ne sait jamais que ce soit utile. Bonjour, Lunuki. Et puis, je n'ai pas assez d'inspiration pour trouver une blague ou une référence à faire à propos de ta phrase. Voilà. Et si tu veux savoir où il est Ponyta, il est toujours mort. Voilà. Je prends de l'avance. Asie. C'est Asie qui dit ça. Raichu a été éliminé hier par la Snowball, ouais. Non, oui. Par la Snowball après Chimera, ouais. Et j'ai essayé de YOLO le rival à Jolibert, j'ai deux morts. Dans ce combat. Très heureux. Je peux faire vol, oui. Je n'ai jamais été aussi heureux de voir un Béquipan de ma vie. J'aurais préféré qu'il soit niveau 39, mais c'est pas grave. Ah, foutu Béquipan qui m'agresse sur la dernière case de la route 121 au lieu de la première du chenal 120. Quelle indignité. Bon, eh bien je peux y retourner, j'avais juste besoin de me soigner. Je pense que je peux retirer le multi-ex pour lui. Je pense qu'il peut s'en sortir tout seul. Et par contre, je peux mettre le multi-ex sur Ukraina. Parce que je pense que, bizarrement, le chenal 220 est pas le meilleur un endroit où elle pourra vraiment, vraiment faire quoi que ce soit. Mais oui, voilà. La Snowball plus des morts débiles ont fortement...
fortement baissé ma réserve de Pokémon qui commence à devenir presque problématique. Donc voilà, là je suis en train de faire les dresseurs de 219, 220, 221 pour m'entraîner un peu avant l'arène de... De Jolibert, genre tout le monde niveau 34. Dynamarcas s'occupera de l'Archéomyr et du Stylix. Ukraina normalement s'occupera du Bastiodon, si tout va bien. Et puis ben 3 Pokémon seront éliminés comme d'habitude. Mais voilà. Voilà. Alors j'ai perdu Monsieur Mime. J'ai vraiment perdu Monsieur Mime à cause du YOLO. Hein. Ça c'est sûr et certain. Ouais, j'avais pas pensé à ça. La repousse va pas marcher parce que mon Pokémon est trop bas niveau. C'est chiant. Fuite impossible. S'il te plaît, c'est un Tentacool. Oui, fait bouclier Tentacool. L'attaque préférée du Dracolosse de Peter. Bon, alors, on va faire un peu de théorie craft, ok? Metagame Pokémon compétitif. Mais où on est sur vraie cartouche de platine et on a droit qu'à aller jusqu'au premier badge. On a le droit de récupérer le premier badge et c'est tout. Et on peut pas aller, une fois qu'on a le premier badge, c'est fini, on va pas plus loin et il y a une limite de niveau à 14. Voilà, donc c'est des stipulations précises, mais... Et on garde tout ce qui est possible dans le jeu, donc ça veut dire que... genre techniquement, Tiplouf, Wistikram et Tortipouce sont des Pokémon autorisés, mais vous pouvez pas avoir les trois à la fois, parce que dans le jeu, vous pouvez pas avoir les trois starters à la fois à cette salle-là. Et on a vraiment une limite de niveau 14. Et du coup, le seul objet possible, c'est la Vive Griffe en un seul exemplaire, parce que c'est le seul objet tenu qui a un effet qui est prouvable après le premier badge de platine. Donc, Theorycraft. En fonction des Pokémon disponibles, genre, comment vous feriez votre team? Qu'est-ce que vous pensez qu'un metagame ainsi donnerait? Parce que c'est particulièrement restreint comme metagame, c'est le but. Et comme c'est restreint et qu'il y a très peu de variables, parce que basiquement on peut deviner avec je pense pour tous les Pokémon à 100% leur moveset, parce qu'ils ont pas assez d'attaque encore au niveau 14. Genre, quels seraient les meilleurs Pokémon? Qu'est-ce qui pourrait les contrer? Genre, j'aimerais bien qu'il y ait genre un groupe de 5 personnes, genre compétitifs, genre des gens compétitifs qui passent pendant un moment à juste essayer de développer le plus possible ce metagame. Et genre faire presque des tiers, genre overuse et tout ça. Évidemment, ce serait beaucoup moins pratique parce qu'il y a genre 15 Pokémon possibles, mais... Je sais pas, j'aime bien cette idée, je trouvais ça marrant. Et c'est marrant de réfléchir qu'est-ce qui serait représenté ou pas, parce que, genre, avec moi, la première chose qui me vient en tête avec ces conditions-là, c'est... c'est Étourvol. Parce que niveau 14, il aura évolué. Étourmi aura évolué. Alors que c'est pas le cas de Kenotor et Lixie, par exemple. Étourvol, il aura Intimidation. Il aura déjà Cruel comme Stab. Il aura... Genre... Il a basiquement tout ce qu'il faut, quoi, Étourvol. C'est probablement, du coup, le meilleur Pokémon offensif. Et je vois pas trop de raison de ne pas le prendre. Mais du coup... Ça veut dire que il va
probablement falloir que chaque team ait quelque chose pour contrer Etourvol. Parce que il peut défoncer les équipes très très facilement. Donc, qu'est-ce qui pourrait gêner Etourvol? Ben en gros, Onyx et Rakaïou. Et je pense que à ce stade-là, en fait, la question devient lequel des deux on utilise entre Onyx et Rakaïou. Et je sais pas exactement quelles attaques ils auront. Mais je pense que la différence est basée sur probablement sur le truc. Vous, est-ce que vous avez besoin de plus de défense ou plus d'attaque? Parce que Onyx est plus défensif. Non, Bekipan, arrête d'être intelligent. Tu me fais chier. Genre, Onyx est plus défensif et Rakaïou plus offensif, du coup. Mais alors, du coup, Rakaïou et Onyx, bon, ils ont l'avantage d'avoir à peu près les mêmes faiblesses. C'est on les gère de la même façon. Donc, on les gère avec eau ou plante, en gros. Et il faut voir si Rakaïou a déjà une attaque sol. Il la prend genre ampleur à quel niveau dans platine, je sais plus. Évidemment, rate ton attaque. Oh, je déteste Bekipan, mais je ne sais pas si je déteste le mien ou celui en face, en fait. Mais donc, aux plantes, ben en fait, genre Tortipousse et Tiplouf, mais le truc c'est que Tortipousse et Tiplouf peuvent pas évoluer si on a une limite de niveau à 14. Alors que Whiskycram peut. Donc Whiskycram est, je pense, le choix le plus optimisé en tant que starter. Surtout que en termes de type O, ben il y a que lui et Ponyta à ce stade-là du jeu. Et je pense que Ponyta est. Genre. Vaut vachement mieux un Chimpanfeu qu'un Ponyta au niveau 14. Alors que. Il y a quand même Roselia de disponible en termes de plantes, et je pense que Roselia vaut mieux que Tortipousse au niveau 14, et il y a Psychoquack qui vaut à peu près probablement Tiplouf. Non, qui vaut assurément mieux que Tiplouf, parce que Tiplouf, son stab c'est écume seulement à ce niveau-là, et écume c'est 20 de puissance, Psychoquack aura pistolet à eau. Voir peut-être même vivre à quoi, je ne sais pas si niveau 14 il aura déjà. Donc, spam amnésie, c'est pas grave, je vais te faire des coups critiques. Et je pense que Chimpanfeu, genre, c'est. Donc, si on prend Chimpanfeu, autant le mettre dans l'équipe. Donc, on aurait déjà une équipe avec. Avec Chimpanfeu. Etourvol, Onyx ou Rakaïou, et après, bah, vaut mieux genre un truc pour gérer Onyx et Rakaïou. Donc, je pense que Roselia est le meilleur dans ce cas-là. Mais l'avantage d'utiliser un type O, c'est que ça peut gérer aussi Chimpanfeu, qui va probablement être dans les équipes. Maintenant, rien n'empêche d'avoir les deux, d'avoir Roselia et Psychoquack. Mais alors, ça laisse une place, et donc qu'est-ce qu'il y a de possible? Il y a Melocric qui est possible, et Melocric est un très mauvais Pokémon, mais dans ce contexte ça va peut-être. Il faudrait voir, en fait, il faudrait voir ce que Melocric donne. Mais j'avais pensé la pensée qui me semble naturelle également, c'était comment un maillot de bain peut être aérodynamique, enfin bref. Et c'était Papinox et Charmion. Ah non, mais non, mais elle devait avoir un Poissy-Reine, Ségolène, parce que c'est Reine, Ségolène Royale, bref, peu importe. Mais du coup, il faudrait que je vois, genre, Papinox et
pas Pinox et Charmillon, lequel est mieux, quelles attaques ils ont, quelles attaques ils ont accès à niveau 14, parce que c'est des Pokémon évolués à fond, ils ont des bonnes stats. Le problème, c'est qu'ils se font déchirer par Étourvol. Il y a aussi comme comme un dresseur Nicolas avec un Arco. Oui, c'est vrai ça. Dans Rubies, j'aurais dû regarder. Genre, il faut que je regarde s'il y a un dresseur qui s'appelle Nicolas quelque part dans Ruby et je lui mets un Arco. Mais ben, voilà, c'était mon petit metagame qui n'aura jamais lieu dans Hebdown saison 3, Kappa. Et ce qui est marrant, c'est que je suis en train de réfléchir, genre... Ah oui, et si on va jusqu'au premier match, mais qu'on autorise de battre Pierrick, ça donne accès à... Trop de raccourage, bordel. Ça donne accès à Piège de Roc. Et ça peut être bien contre Étourvol. Yeah, je l'ai rendu confus, c'est bien ça. Sois confus, Léviator. Et j'étais en train de réfléchir, genre, Diamant et Perle apporterait quelque chose de plus. Et il faudrait voir au niveau des movesets s'il y a des changements à cet endroit-là, parce qu'il y a peut-être des niveaux où certains Pokémon apprennent certaines choses qui changent entre les deux. Mais ce que Diamant et Perle apporte, enfin retire déjà, il y aura pas de Ponyta possible, il y aura pas de Chenipot possible. Je pense que tout le reste reste le même. Et il y aura aussi accès à cette puissance cachée. Mais si on veut rester dans le truc, l'idée du jeu et de vraies cartouches, genre c'est compliqué d'avoir le Pokémon avec la puissance cachée du type et de la puissance qu'on veut, quoi. Donc c'est peut-être un peu spécial cette situation. Mais voilà, c'est le metagame du premier badge. Genre, si à Little Cup, pourquoi pas le metagame du premier badge? Bon, évidemment, j'ai choisi Platine parce que c'est le jeu que je connais le mieux. Donc que je peux le plus imaginer dans ma tête ce que ça donne, parce que genre si on dit ça en 3G, il faut genre déjà faut réfléchir à tout ce qui est possible de trouver en 3G. Enfin Ruby Saphir Emerald, c'est genre il y a les trois starters, il y a Zigzagoon, il y a Goélise, il y a Chenipot, il y a Medina, il y a Marill, il y a Nirondelle, il y a Balignon, il y a Parekul, il y a Ningal, il y a Abra, il y a Chuchmure, voilà, j'y vais y arriver. Il y a Skitty et il y a Makuhita en échange interne. Je pense. Mais peut-être que c'est pas le même dans Emerald. Et, ah oui, il y a Nenupio et Grenipio aussi, en fonction de la version. C'est encore différent ça. Oui, non, il faut que j'achète, il faut que je m'achète des trucs. Ça ne va pas, je n'ai plus assez d'objets. Je vais aller racheter du LMM. Alors, ouais, et la limite de niveau serait à 15. Dans Ruby Sapphire Emerald, il n'y aurait aucun starter qui pourrait évoluer. Pareil, Couleur évoluerait pas. Je suis en train de réfléchir, Grenipio et Nenupio, un Suribou. Ah bah oui, mais non, mais si j'avais eu ça comme rencontre à la Forge Fuego, pourquoi pas. Ouais. Enfin bref, voilà.
c'est tout un programme, quoi. Ce serait marrant de faire ça en 2G sur Argent Cristal, parce que la limite de niveau, c'est niveau 9, donc rien à voir, quoi. Rien du tout. Mais en 3G, il y aurait accès à la cité Balgren et la cité Tombroche, parce que c'est celle de Roxane. Et je pense qu'il y aura aussi la Vive Griffe. Et il y aurait des baies. Il y aurait des baies. Et ça, si on reste sur l'idée de... Enfin, théoriquement, les baies, on peut les avoir à l'infini, donc... En 2G, ce serait limite la Little... Ouais, voilà, la Little Cup. En 1G, ce serait... C'est marrant. En 1G, ce serait bizarre parce que... Bah, déjà, ça dépend. Il faut... Tu peux pas faire rouge, bleu et jaune en même temps. Parce que techniquement, la limite de niveau est pas pareille. 14 dans rouge et bleu et c'est 12 dans jaune. Et il y a des Pokémon qui sont dans jaune qui sont pas dans rouge et bleu, donc... Et inversement. Et en 5G, ce serait super chiant d'entraîner tout le monde, donc personne ne voudrait le faire. Parce qu'avant le premier badge, il n'y a pas de... Non, mais oui. Mais oui, en 5G, ce serait probablement... Genre, dans Noir et Blanc 1, ce serait probablement le metagame le plus limité. Parce qu'il y aurait les 3 starters, les 3 singes, Ratentif, Ponchio et Chakrépan, et c'est tout. C'est genre... Ce serait vraiment, vraiment super limite. Genre, le Noir et Blanc 1, il commence après le premier badge. Hein, c'est... Noir et Blanc 2, c'est déjà un peu mieux, je pense, mais peut-être pas génial. Il y a encore Attentif, il y a encore Chakrépan, il y a encore Ponchio, mais cette fois-ci, il y a genre Tournegrin, Poichijon, Larveillette, Orange d'Amélie, il y a Riolu, il y a Azuril, il y a Psychoquack, il y a Watwat. Il y en a peut-être un autre que j'oublie. Mais donc ce serait déjà mieux, mais je sais plus, c'est... je pense que ce serait limite de niveau, ce serait 13, 14 dans Noir et Blanc 1, 13 dans Noir et Blanc 2, il me semble. Argol Suiveur, ce serait différent parce que la limite de niveau serait 13. Et je pense qu'en termes de Pokémon, par contre, en termes de Pokémon, ce serait la même chose que Or et Argent, mais avec l'Imagma en plus, je pense que c'est tout. En tout cas, j'adore Diamant et Perle, où il faut acheter tout un par un. Très... très cool. En 2G, ce serait marrant parce que, genre, il y a le... Ah oui, il y a le Onyx qu'on peut avoir par échange interne. Techniquement, on peut avoir Abra par échange interne dans Diamant, Perle, Platine, mais on peut déjà avoir Abra normalement. Et de toute façon, Abra, il sert à rien parce que niveau 14, il pourra pas encore évoluer. Donc le seul truc, c'est si tu le prends en Diamant et Perle et que tu lui mets Puissance Cachée. Bon, eh bien, je pense que ce que je vais faire, c'est m'entraîner contre les... Enfin, genre, grinder avec le Cherche VS contre... avec ces deux-là. Parce que c'est la meilleure chose à faire. Et je pense que je vais me mettre 34 comme niveau. Je pense que ça fera que Ukraina et Macedonia seront évolués à 34. D'ailleurs... Tant que j'y pense, faut que je vérifie un truc. Oui, oui, voilà. J'ai oublié de lui apprendre surf. Voilà. Hop. Parce que je vais vérifier les niveaux de d'évolution quand même de Hippopotasse. Hippopotasse c'est 34 et...
34 pour Moufouette aussi, c'est parfait. Donc, ils seront tous les deux... ils sont tous les deux... Enfin, tout le monde sera... Ces 4-là sont entraînés jusqu'au niveau 34. Et l'un des 4 va crever. Après le combat contre Charles, s'il n'y a aucune mort dans le combat en lui-même. Et je trouverai un deuxième Pokémon à sacrifier s'il faut. Mais je vais m'arrêter là parce que bon, c'est du grind, c'est pas très intéressant. Une chose qui va être plus intéressante, c'est de voir si je peux avoir ma rencontre de l'arbre à miel de la Forge Fuego. J'irai voir ce soir vers genre 21h20, j'ai dit. Et je ferai peut-être mettre un screenshot sur Discord ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est la fin de ce stream. C'était un peu un désastre total, mais ça c'est le risque d'y aller YOLO. Hein. Je savais les risques que je prenais. J'ai même pas porté l'attention sur le fait que Irlande il est mort sur un coup critique. Hein, parce que sans coup critique il serait encore vivant et j'aurais déjà fait l'arène de truc j'aurais déjà fait la reine de Joliberge à cette heure-ci, mais c'est ainsi que va le Nuzlocke. Et de toute façon, hein, si vous avez des reproches à faire, c'est à cause de Perrin. Voilà, c'est totalement sa faute. Sur ces bons mots, je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine, quand je me serai entraîné pour le Pokémon Diamant Snowball Nuzlocke. Salut!